Et yo les gars, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu à l'écran, toute nouvelle vidéo pour découvrir ensemble le nouveau parapluie du top 1 de cette saison 6 de ce chapitre 2 de Fortnite, les gars. Puisque, comme vous le voyez à l'écran, avec Ekart, on est parti en game et on a fait le petit top 1. On a remporté le petit planeur parapluie de la fondation. Quoi qu'il arrive, surtout n'abandonne pas. Fait partie de l'ensemble, les 7. Je vous rappelle que les 7 sont de retour pour cette saison de Fortnite et seront disponibles à la prochaine saison. Donc là, félicitations, vous avez remporté une victoire royale. Comme d'habitude, pour toutes les personnes qui aimeraient voir comment le parapluie du top 1 rend en jeu, je vous mets le gameplay sans commentaire à la fin de l'outro de cette vidéo. Donc là, on va un petit peu regarder, on va s'en équiper, on va découvrir ça. Donc on gagne une icône également. Du coup, les gars, on est directement rendu dans le petit casier pour voir d'un petit peu plus près ce petit planeur plutôt sympathique. Donc, je le rappelle, c'est le parapluie de la fondation. Voilà, il est de rareté typique en métal avec le symbole des 7. On peut voir également que les symboles sont un petit peu animés. Là, on peut voir, ça s'enlève, ça revient. Et d'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires pour vous quel est le meilleur parapluie, quel est le parapluie que vous préférez de toute saison confondue. Pour ma part, le parapluie que j'ai préféré, c'est le parapluie de la saison 8, donc le palmier de gloire. Voilà, je trouve que c'est un petit peu été. Il n'y a pas réellement de gros effets, mais pour ma part, c'est celui que je préfère. Donc voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et enfin, les gars, comme d'habitude, si vous cherchez de l'aide pour faire top 1, n'hésitez pas à mettre votre pseudo épique dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, puisqu'avec Ekart, on stream régulièrement. Et quand on en stream, on essaye de vous aider à faire top 1. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et comme d'habitude, les gars, si vous avez aimé et apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. À plus et à la prochaine.